C'est une bourde qui a certainement fait sourire les autorités centrafricaines. La banque VTB, le deuxième groupe bancaire russe, a versé par erreur 12 milliards de dollars de prêts à la Centrafrique. La banque a rapidement précisé mardi qu'il s'agissait d'une erreur administrative et qu'il n'y avait pas de prêt de ce type. Ce sont les médias russes qui ont remarqué la présence de ce prêt dans un rapport financier du groupe bancaire. 12 milliards de dollars, c'est plus de 6 fois la production économique annuelle du pays. Et le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange-Maxime Gazaghi a déclaré qu'il n'était pas au courant de ce prêt et a ajouté que s'il en existait, il serait difficilement remboursable. La Centrafrique est une nation qui sort d'un conflit avec un produit intérieur brut de 1,95 milliard de dollars selon la Banque mondiale. La Russie a récemment investi tous azimuts en Centrafrique, notamment dans la formation de l'armée et la diplomatie pour parvenir à des accords de paix avec les groupes armés. Moscou a aussi livré des armes à Bangui après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU.